بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Parmi les leçons qui nous gagnent, depuis la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, avant même qu'il ait gagné la première révélation, c'est son caractère qui tient. Et là, quand on veut dire caractère, ce n'est pas seulement sa façon de réagir, mais aussi sa façon de causer, comporter envers les autres. Nous résumons le tout par le fait que Ban Quraysh, Ban habitant de Makka, qui est non musulman, ont appelé, ont donné un titre qui appelle Al-Amin. Amn veut dire sécurité. Amin veut dire un djimoun qui vous sent en sécurité avec lui. Veut dire qu'il a fait confiance. De là qui, quand vous traduisez Al-Amin, l'ivine l'honnêteté, l'ivine un djimoun digne de confiance. Parce que c'est une personne qui vous sent en sécurité avec sa présence, ou bien si vous dites quelque chose, ou bien si vous faites confier lui en quelque chose. Ce titre-là, Ben habitant Makka, il donne le prophète Mohammed, paix soit sur lui, avant même qu'il ait gagné la première révélation, avant même qu'il devienne un prophète. Donc imaginez-nous comment ce comportement y était. Jamais les causes mentir. Même pas de badinaz. Jamais les causes mentir. Jamais on peut ni cause causer l'autre du monde. Jamais quand on fait confiance, il peut trahir sa confiance là. Jamais quand il finit de prendre l'engagement, il a pour respecter son engagement. Et ça, pas une seule fois il a besoin de faire ça. Plusieurs fois, il fait ça. Plusieurs fois, les autres ils témoignent. Sa bonne qualité l'a dans lui, pour qu'il débouche à l'oreille, je ne comprends, ça lui est un jeune différent de ben les autres qui sont alentour de la ville de Makka. Et pour ça, il y a le titre, Al-Amin. Donc ça amène nous à réfléchir, qu'il soit pour le musulman ou bien pour le non-musulman, quand il connaît qui, en tant qu'un musulman, qui ban habitant Makka tu peux faire confiance ce prophète avant même qu'il ait gagné la première révélation. Et le non-musulman lui pose même la question. Si sa personne a fait un titre pareil avant de gagner la première révélation, est-ce que vous pensez qu'on a une révélation depuis bon Dieu? Ce caractère pour changer, devenir un brit? Ou bien il peut plus parfait à sa bonne qualité qui est là? Pose la question. Avant même, il y a la première révélation, il y a un titre. Il y a une révélation depuis bon Dieu. Est-ce que vous pensez de venir une britastère? Non. Sa bonne qualité qui tient là, pour plus épanouir, pour plus faner, pour plus être témoigné par les autres. Donc, ça, c'est une de bonnes leçons qui nous gagne depuis la vie de محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته